défaite au match numéro 4 face au Predator de Joliette. Rapidement comme ça, là, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de tes joueurs? Honnêtement, je pense qu'on a eu un slow start. On était un petit peu conscients, on savait là, à 9h le dernier match. Là, puis, on est tous des êtres humains, donc on s'est dit, hey, bah, bah, les joueurs, comment est-ce qu'ils vont réagir? Fait qu'on a eu un début de première période slow. Deuxième période, on s'est mis à reprendre du galon. On a eu 5 minutes que. Bon, je vais regarder ça comme il faut, là, parce que je ne le comprends pas encore, mais là, on s'est mis à jouer. Puis en troisième, je pense qu'on a dominé à troisième. Puis là, regardez le but, il a volé la période. Là, sans dire qu'il a volé le match, là, parce qu'il n'a pas eu à faire ce qu'il a fait en troisième, les deux autres périodes. Mais en troisième, il était vraiment dominant. Là. Je pense qu'il a fait la différence, il les a tenus. Même en deuxième période, on a eu 2 avantages numériques. Je pense qu'on a passé 2 minutes là, ils ont bloqué des shots. T'sais. Honnêtement, là, eux autres, un soir, ils voulaient pas s'en retourner chez eux à 3-1. Puis nous autres, ben, on a fait. On veut gagner. Mais on veut gagner, se passer. Je pense que vous donnez crédit à Joliette, un soir, ils voulaient plus que nous autres. Fait que ça va être au gars demain d'arriver avec la meilleure attitude et le meilleur désir de gagner. Là. La troisième période a clairement été votre meilleure période, je dirais. J'imagine qu'on veut bâtir là-dessus pour le match de demain. Oui, c'est sûr. Écoute, même on l'a dit après des chiffres en deuxième, il fallait bâtir ce qu'on voyait là. C'était correct. Troisième période, on était bon. On était bon, je te dis. C'est là quand j'ai vu qu'en fait, je n'ai pas les lancés en troisième, là, mais ça doit être beaucoup pour nous autres, pour pas beaucoup pour eux autres. Puis le gardien a fait la différence. Parfait, merci beaucoup. Merci.